Une situation tendue s'est déroulée aujourd'hui à Issy-les-Moulineaux, près de Paris, où le propriétaire d'un restaurant a retenu plusieurs personnes en otage à l'intérieur de son établissement. Les forces de l'ordre françaises sont rapidement intervenues sur place et ont lancé une opération délicate visant à libérer les otages sains et saufs. Le suspect interpellé souffre de toxicomanie. Le suspect a été interpellé par la brigade de recherche et d'intervention, BRI, dont un médiateur a été mobilisé sur l'opération en raison de la volonté de suicide de l'intéressé. Selon nos informations, l'auteur souffre de toxicomanie. Il est connu des forces de l'ordre mais inconnu de la justice. Dépêchés à la mi-journée, de nombreux véhicules de police et des forces de l'ordre, casqués et armés, ont barré la circulation autour de la rue Ernest Renan pour établir un important périmètre de sécurité dans le quartier, situé à quelques dizaines de mètres du périphérique parisien. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, se tient informé de la situation.